Et bonjour YouTube, ici votre animateur Cornet qui démarre une nouvelle série sur F1 24. Oui, F1 24, comme vous pouvez voir, on a différents modes carrière. Carrière pilote, carrière mon écurie que j'adore particulièrement, carrière de pilote et carrière en défi. Pour aujourd'hui, je démarre la carrière mon écurie, my team, parce que c'est ce qui m'a toujours intéressé. Malheureusement, F1 24 ne fait pratiquement aucune mise à jour, aucune nouveauté à travers ce mode. Toutefois, j'ai décidé de faire différemment que d'habitude avec Cornet TV, des vues justement des vues comme cinématographiques, des reprises vidéo, etc. J'ai le goût d'y aller de façon beaucoup plus simple, soit commenter justement la série Carrière Mon Écurie avec Cornet Racing Team et simplement vous montrer ce que je vis, le jeu, le gameplay, et en espérant que ça soit divertissant, pardonnez-moi. Sur ce, c'est parti, on y va, Carrière Mon Écurie, F1 24, on entreprend. Et là, il faut choisir entre Bleu Sail, Étoile Montante ou Tête de Course. Honnêtement, étant donné que je suis quand même un habitué du My Team, j'ai pas le goût d'aller avec Tête de Course, c'est beaucoup trop. Dès le départ, évident qu'on va être une bonne équipe. Je vais y aller avec Étoile Montante. J'ai pas le goût d'être comme vieux jeu. Étoile Montante, ça va être midfield qu'on dit, hein. Je vais être une écurie moyenne. Donc, on va avoir 5 millions comme avec des ressources. Bon, on y va avec une Étoile Montante. C'est parti. Ensuite, saison complète ou saison personnalisée. On va y aller avec personnalisée. Mais vous allez voir qu'on va quand même y aller complète. Comme là, 24 courses, on les a tous ici. Ok, parfait. On va finir avec Abu Dhabi. Ok, c'est les 24 Grands Prix que nous allons vivre. C'est excellent. Good, 24 Grands Prix. Paramètres recommandés ou paramètres personnalisés? On va aller voir personnalisés. Je veux toujours être certain de bien faire les choses. Au niveau de la difficulté, on va y aller comme ça. Bon, ça, vous voyez justement mes aides, là. Espionnage intermédiaire, espionnage des roues. Oui, j'aimerais beaucoup enlever ça, mais là... Faut que je me pratique un peu plus puis que je joue un peu plus pour y arriver, mais ça sera pas le cas. Hey, là, l'intelligence artificielle, on va monter ça. Et pour commencer, on va y aller avec 90. J'ai aucune idée de quoi mon niveau avec F1 24, mais on va y aller avec 90 pour le premier Grand Prix. Bon, ça a-tu marché? Oui, excellent. Sinon, format des essais complet. Format des qualifications, un tour. Étant donné que là, on va faire le mode My Team d'une façon différente, soit moins cinématographique, je vais y aller avec des qualifications qui sont... court et non complet avec 3 séances. On va y aller court seulement. Et durée des séances, eh bien, on va y aller avec 25%. Donc, 25%, c'est environ 10 à 17 tours, 15 tours. Ça va dépendre des grands prix, mais ça va être mieux. 25%, c'est intéressant comme contenu. Il faut au moins arrêter une fois au puits. Bon, prévision de la météo, pas parfaite. On va y aller approximatif. On se donne un peu de challenge. Sinon, transfert des pilotes, oui. Fréquence des événements de département par défaut. Je laisse tout par défaut. Fréquence des pannes, cependant, standard et sévérité des pannes. J'y vais avec standard. J'essaie de changer le moins possible ce qui va se passer pour la suite des choses. Les règles, oui. Standard, est-ce qu'on va sévère? Non, je vais rester standard. Parc fermé, oui. Type d'arrêt au stand immersif. Immersif pour la carrière My Team, on reste comme ça. Voiture de sécurité standard. Augmenté, on va rester standard. Type de voiture de sécurité immersif, oui. D'habitude, on y va avec diffusion. Mais là, ça va être immersif. Et le tour de formation, évidemment, oui. Type de tour de formation, immersif, encore une fois. Et le nombre de drapeaux rouges va être standard. Par la suite, les paramètres de simulation, dépannage, aucun retour, aucun dépannage. Aucune chance de revenir en arrière. On se donne aucune marge de manœuvre. Et c'est ce qui va être intéressant pour cette carrière, My Team. Justement, on ne peut pas revenir en arrière, contrairement à ce que je fais d'habitude. Type de surface réaliste, carburant, bon, difficile. Départ de course manuel, c'est bon, oui. Dégâts des monoplaces, simulation. Niveau des dégâts de monoplace, simulation. Collision, oui, c'est excellent. Et je pense que par la suite, on a pas mal tout ce qu'il faut. C'est vrai, je vais rajouter de la voix. Comme ça, 7, c'est bon pour avoir le plus possible l'aide de mon ingénieur qui va m'aider. Good. C'est bon. Je ne veux pas dire assiette de l'ingénieur, mais jouer avec les radios de victoire, bon, pourquoi pas le faire, là, oui. Et transmission des radios complète. Let's go, on y va avec ça.
C'est parti, tout va bien. Excellent, on a fait tous les paramètres de cette séance, de cette carrière solo, mon écurie. Utiliser les icônes de mon écurie, est-ce qu'on fait ça? Non, on s'en fout de tout ça, honnêtement. Ok, passer. Confirmer les paramètres, oui. Non, je m'en fous du dialectiel, Pour là. commencer, Wow, crée ton pilote. j'avais dit qu'il n'y avait pas de sous-titres, pas de voix. Who cares? En tout cas, je pense que je vais être obligé de faire avec pour ce moment-là. J'aurais dû activer seulement l'audio alors que la première course a commencé. Vous pouvez déjà voir, sans être spoilé, le logo de Cornet Racing Team, le C, qui est noir. Évidemment, j'ai l'édition standard. Ce qui fait en sorte que j'ai pas beaucoup de choix, puis j'ai pas encore beaucoup joué à ce jeu-là. J'ai peut-être joué 1 heure ou 2, gros maximum. Fait que j'ai très, très, très peu de disponibilité en termes de variété. Et même chose pour l'écurie, le pilote. Donc, c'est parti. On va créer notre pilote. On va commencer avec un avatar. On va y aller. J'y vais avec un nom qui était proposé dans les choix, soit Kelly Vrogne. Donc, on va y aller avec cette demoiselle qui se nomme Kelly et qui vient évidemment du Québec. On va prendre le drapeau du Canada parce que malheureusement, le drapeau du Québec n'est pas disponible dans ce jeu. C'est parti. Oh, Kelly Ivrogne. Et voilà, Kelly Ivrogne. Donc, c'est quel? Ah non. Vro? Vrogne? Vro? Ouais, Vro. On va y aller comme ça. Kelly Ivrogne. Toujours important de mettre le nom de famille en majuscule. Comme ça, ça fait en sorte que ton nom est comme les autres intelligences artificielles sur le jeu. Au niveau du nom audio, est-ce qu'on a quelque chose qui peut être intéressant comme Kelly, justement, ou avec le V? Donc, on va avancer. Ok, je fais le tour, puis je suis comme, ouais. Je sais pas trop quoi prendre, là, comme surnom. Parce que là, ok, j'ai Khaled ou... Non, 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 non. Non, 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 non. L'impératrice. Ah, c'est quand même cool. J'ai déjà eu un personnage qui s'appelait le Capitaine Cornet. La flèche. La fusée. La fusée, j'aime ça. Ouais, la fusée. Let's go, Kelly Vrogne, la fusée. À moins que ce soit autre chose. La prodigue. La prodige. Comme Kelly Vrogne, la prodige. La rookie. La rookie. C'est la première femme en Formule 1. La rookie. Let's go. On y va avec ça. Et finalement, le numéro, eh bien, étant donné que vous connaissez le nom de ma chaîne, Cornet 1991, on y va avec le 91. Et c'est confirmé Concentre-toi pour maintenant Kelly sur Vrogne. l'apparence de ton Bon, let's go. pilote. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. C'est parti. Hey, la voix est forte. Peux-tu déjà le modifier? Peux-tu revenir en arrière? Non. Ah, oh, tannant. J'ai déjà des. J'avais déjà fait des casques, mais je pense que je peux pas. Non, je peux pas prendre ceux que j'ai déjà fait dans le mode mon profil. Bon, ben c'est parti, on va le refaire. On va y aller de façon un peu plus différente. J'aimais comme couleur comme du orange doré, du noir, du blanc et finalement du orange doré. Excellent, j'aime beaucoup. C'est fait, très beau casque. Peux-tu tourner? Non, on peut pas. Au niveau de la combinaison maintenant, on revient ici. Je vais avec le doré comme première couleur. Noir comme seconde. On continue noir ensuite et blanc. C'est parfait. Good. J'aime beaucoup ça. Très beau kit en ce moment pour Kelly Vrogne qui va faire partie de Cornet Racing Team. Au niveau des gars, comme vous pouvez voir, j'ai seulement un choix. Donc, je me casse pas trop la tête. Je vais encore avec le même style de couleur. Et voilà. Puis là, ça. Et voilà. Ah, je pense que je vais le mettre noir. Ouais, noir, c'est mieux. Mais comme vous pouvez voir, il y a comme du mauve, là. J'ai pas acheté de gants, là. Je m'en fous un peu. On les voit pratiquement jamais. Toutefois, j'ai acheté un emote. Grand amour. Let's go, Kelly. La rookie qui va nous donner de l'amour. Et si on gagne, eh bien, ça va être. Peux-tu écouter? Oh, pas sûr. Non, pas sûr. Yes, yes, les gars! On y go! Non plus. Cool! Course suivante! Honnêtement, aucun des trois. Je vais y aller avec celle-là, là. Ok, ça va être ça. Ça va être ça. Et on confirme. Ok, boss. Mettons cette écurie sur pied. Commençons par le commencement. On doit déposer le nom de l'écurie et choisir nos partenaires.
OK. Faut choisir le nom de l'écurie, les infos, blablabla. Commence par Oh! saisir le nom de J'ai l'écurie. compris. Ah, stifi que ça m'énerve d'avoir mis du son. Donc, on y va avec Cornet Racing OK. Team. Ouais, j'ai Certains compris, j'ai compris. sponsors Et là, faut proposent choisir le une meilleure sponsor. prime à la C'est les signature, mêmes qu'à F1 tandis que 23. d'autres offrent de meilleurs revenus hebdomadaires. Plus on est performant, plus on gagnera en popularité et plus on grimpera les échelons. Ces gains nous permettront d'obtenir de meilleurs revenus de la part des sponsors. Je regarde les différents sponsors, puis je suis comme, qu'est-ce qui est le mieux? Aïe, 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 j'aime même mieux aller avec de quoi comme, tu sais, Xeno Dynamics, obtenir 5 arrivées dans les points sur une saison, c'est quand même facile à faire. Même 25 points au championnat des constructeurs, si je suis dans le midfield, je devrais être en mesure d'y arriver. Oh, let's go, Notre je le châssis prends. n'ira pas Dual très loin Tone. sans plus nos performances et Il a notre le fiabilité moteur. sont bonnes, mieux c'est. Mercedes, Ferrari, Mais Renault ou fais Red Bull. attention à ne pas dépenser tout notre argent. Nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront des améliorations gratuites durant la saison. J'aime beaucoup Renault à cause de sa durabilité. Et c'est un bon équilibre entre performance et durabilité. Ferrari aussi est intéressant. Ah, c'est sûr que Mercedes 89-95 est comme le meilleur, puis il coûte pas tant plus cher, mais je vais y aller avec Renault, juste parce que j'ai l'habitude d'y aller avec le Il Renault faut deux Hightech. pilotes pour former une écurie. Ah! Voici une liste des pilotes qui Ok. souhaitent rejoindre notre écurie. Qui Compare leurs stats sera et le choix? choisis celui que tu penses être le meilleur, du moment qu'on peut se le permettre. Nous renouvelons régulièrement les contrats, donc tu auras l'occasion de changer de pilote si besoin. Hey, Lucas Blakely, on le connaît à travers YouTube, comme Jarno Hoppmer aussi. Hey, c'est dommage cool. Hey, c'est top. Ben, ah, ils ont comme des petits logos à côté de leur nom. Ah, j'aime bien Lucas Blakely comme écossais, là, justement. Ça pourrait être cool de l'avoir. Sinon, Arthur Leclerc. Alors, j'y vais avec un YouTuber. Je vais avec Lucas Blakely. Ah, hey, c'est pas évident. Il coûte vraiment pas cher, mais regarde les niveaux des points sont. Il est à 110. Ouais. Arthur Leclerc pourrait être un bon choix. Il y aura un deuxième Leclerc dans la grille de départ. C'est son frère. Ah, on va y aller avec Arthur Leclerc. Oh, un deuxième Leclerc dans la compétition. C'est parti, puis il nous reste encore beaucoup de sous. C'est une très bonne nouvelle. C'est parti, on confirme. Passons maintenant sur la livrée de la saison. Yes, la livrée On de la pourra ajouter des saison. sponsors sur la J'ai monoplace au fur et à mesure des compris. contrats. Let's Et ne go. t'inquiète pas, tu peux modifier le design à tout moment au Ah QG. ouais, je vais le modifier certain. Comme là, il est satiné, mais je. Ouais, je pense que je vais le laisser satiné, mais noir. Métallique. Ah, c'est pas pire ça. Blanc. Non, je pense que je vais rester comme ça. Je peux-tu le mettre satiné, puis toi blanc. Fait que là, ça fait-tu que ça a du sens? Ah ouais, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Ça va être ça. Ah non, j'ai fait de quoi qu'il fallait pas. Allez, je vais le mettre blanc. Ok, ça c'est beau. Confirmer les changements. Et je pogne. Nice, on va avoir une belle voiture. Oh, regarde, on zoome un petit peu, là. Ouais. Avec le logo. Et je trouve que le jaune. Attendez, on va essayer de. Je l'aime pas satiné. Mat? Ah. Ça, comme ça. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Un mélange de satiné et de mat. Ouais. Ok, ça va être ça. C'est parti. Les sponsors, on en met dessus. Ah, oh, c'est parce qu'il faut que je confirme. Ouais, c'est vrai. Mais c'est clair que je mets toujours lui, longueur d'onde. Je l'aime beaucoup trop. Et voilà, c'est fait. Enfin et Confirmé. surtout, il Et faut qu'on enfin, et définisse notre image, surtout. c'est-à-dire notre insigne et les couleurs de l'écurie. Ouais, le logo est déjà choisi, vous le voyez. Ah! Merde, il a disparu. Ah! Copier un modèle. Oui! Oui, je le veux. C'est ça le modèle que je veux. Excellent. Good. Et couleur de l'écurie, ça cependant,
Comme ça. Noir et blanc. J'aime ça. Accepté. Et c'est parti, nous avons notre écurie, notre nouvelle écurie, notre nouveau pilote, Leclerc, ainsi que Caligrogne comme pilote propriétaire. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce programme en direct de Formule 1 très spécial. Ce genre d'événement est généralement réservé à la présentation d'une toute nouvelle monoplace. Mais là, aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de la F1, nous vous présentons une toute nouvelle écurie, dont propriétaire et pilote principal ne font qu'un. Ça va être une grande première, imaginez. La grille va accueillir une personne d'exception qui a réussi l'impossible en réunissant les capacités financières et humaines requises. Nous nous trouvons dans cette usine flambant neuve qui doit produire la monoplace susceptible de défier ses prestigieuses rivales. Laissez-moi vous présenter la vedette du moment en Formule 1 avec sa double casquette de propriétaire et de pilote. On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités des deux rôles? Bon, quel choix on fait? Parce que là, à partir de maintenant, ce qu'on décide de dire hein, aux journalistes, eh bien, ça va influencer la performance de notre monoplace. Eh bien, ici, comment comptez-vous jongler entre les responsabilités des deux rôles? Je pense que ça n'a pas vraiment rapport. Il ne s'agit pas de moi, ce qui compte, c'est l'écurie. Je reste à 100% ensemble, rien ne peut nous arrêter. Ok. Moi, je vais avec ça. Je pense pas que ça change grand-chose. Parlons un peu de votre partenaire qui n'a pas caché sa joie d'avoir rejoint l'écurie. Mais à votre avis, quel sera son apport? Ah, Leclerc, Oh là 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 là. Ouais. Let's go, on y va avec. Il fallait trouver la bonne personne pour l'écurie. Notre recrue sait que nous venons d'arriver dans la discipline et apprécie l'opportunité que nous lui offrons certainement d'être sur la grille de départ avec son frère. Parlez-moi du travail effectué sur la voiture. Vous partiez d'une page blanche. Sur quel domaine avez-vous mis l'accent? Oh là 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 là, attention, attention, là c'est là que ça fait la différence. Moi je vais toujours avec le moteur, habituellement. Comme là, celle-là, les données de simulation sont prometteuses, mais rien n'est certain tant qu'on n'est pas sur la piste. Ça veut dire aucun avantage. Aucun avantage. Donc là, j'ai le choix entre ici, réactive au virage, je pense que c'est l'aérodynamisme. Quand c'est la traction en sortie de virage, ouais, le châssis. Je pense que je vais y aller avec le châssis, vu que je peux pas vraiment prendre le moteur. Ouais, le châssis. Fait que le département de châssis la en prend note. Les autres écuries ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous pouvoir faire de gros gains de performance pour vous rapprocher des meilleures monoplaces? Ah, là, c'est clair que j'aime ça. Un regard neuf mène souvent à des solutions originales et nous avons trouvé des façons uniques pour réduire la traînée. Ça pourrait être très bon. Sinon, pour améliorer le RS, la mité de carburant. Non, je vais avec celle-là. Un regard neuf, là. J'aime ça parce qu'en plus, c'est une nouvelle écurie. Donc, on a un nouveau regard. Finalement, votre succès cette saison dépendra entièrement de votre position par rapport aux autres pilotes. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus lors de ces batailles? Ah, clairement, les dépassements.
Je vais être très agressif avec Kellyrogne. Donc les dépassements demandent de l'aide. Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général en amont de la première course de la saison. Avec cette importante date qui approche, lequel de vos départements vous a le plus impressionné? Duquel tirez-vous la plus grande fierté? Je suis extrêmement fier du département de la chaîne motrice. Let's go, leur travail est vraiment remarquable. C'est parti. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Et au nom de tous, j'aimerais vous souhaiter le meilleur pour votre première saison de F1. Sur ce, c'est la fin de l'épisode 0 de cette série My Team avec Kellyrogne et Cornet Racing Team. Si tu as apprécié, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de cliquer également sur la cloche. L'épisode 1 présentera le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, donc c'est à ne pas manquer. Sur ce, ciao, ciao les Cornets!